Désolée, la première partie de vidéo, elle a coupé. Donc je vous disais, voilà, c'est vraiment du recyclage par rapport à la My Little Box quand ça a coupé. Donc c'est très très bien, au lieu de jeter le tissu, ils nous ont fait des petits rouges à lèvres, donc des petits rouges à lèvres, n'importe quoi, des petits bracelets, pardon. Donc il fallait y penser. Voilà ce que je disais avant que ma vidéo coupe. Donc ensuite, on va passer donc à la prescription lave qui est à 20 euros par mois, ça je m'en rappelle. Donc il y en a qui n'aiment pas trop parce que justement la box est toujours comme ça. Mais moi je trouve ça très joli. Je trouve que ça fait même élégant et classe. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup, on dirait presque qu'on a acheté un produit de luxe en fait. Avec le petit PL comme ça. Je trouve ça très très beau. Voilà. Prescription lab, ma parenthèse beauté. Moi ça me gêne pas tant que ça. Alors. Donc c'est ma première box également. Là je vous fais un peu une vidéo découverte en fait. Donc là il y a le petit prescripteur. En tout cas le nom de la box a été vraiment bien trouvé. Le prescripteur, c'est limite on nous prescrit du bien-être avec les maquillages, etc. Donc je trouve le nom vraiment bien pensé quoi. Vous avez apparemment un petit coloriage là aussi, au milieu du livre. C'est assez rigolo. Puis ma foi, il y a pas mal de choses à lire, donc je trouve ça sympa. Je sais pas si dedans il n'y aura pas les prix des produits. Je crois pas, hein. Je crois que c'est plutôt. Il y a même l'horoscope. Voilà, c'est vraiment un petit magazine très complet et très sympa. Donc, tout d'abord, il faut savoir que c'est quand même une box qui est reconnue pour avoir beaucoup de bons produits. Donc voilà, notamment des belles marques. Donc là, nous avons une carte cadeau d'une valeur de 15 euros. Donc je trouve ça sympa, une carte cadeau, c'est pas souvent qu'on en a dans les box. Donc je trouve ça vraiment sympa. Donc de 15 euros préchargé, vous pouvez soit aller en boutique jusqu'au 30 avril, si je dis pas de bêtises, non jusqu'au 15 avril, ou soit sur le site de maccosmetics.fr. D'ailleurs après cette vidéo je vais le faire parce que on sera vite au 15 avril et ça va dépasser, ça sera dommage. Donc voilà, si je dis pas de bêtises, c'est marqué au dos je crois. Dès 20 euros d'achat. Ouais, dès 20 euros d'achat. Donc je trouve ça juste génial quoi. Dès 20 euros d'achat, vous avez déjà 15 euros. Donc très très bon cadeau. En plus, ils ne se sont pas arrêtés là. Nous avons pas mal de rouge à lèvres. Donc il y a le rouge à lèvres MAC. Donc très très bon rouge à lèvres. Cette couleur, je ne l'avais pas en plus. J'en avais acheté deux. Parce que je sais que c'est des bons rouges à lèvres. J'avais acheté un violet et j'avais acheté un marron que j'adore. Ils sont vraiment très très bien. Mais celui-là, ça tombe bien, je ne l'ai pas. Donc c'est le 608 Mer. Et en fait, celui-là, je ne l'ai pas. J'aime beaucoup leur packaging aussi, très très sobre avec marqué MAC. Donc, un peu comme ça, vous voyez. Pas mal du tout. Et celui-là, je ne l'ai pas, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est un petit nude, en fait, marronné. Non, il me semble pas l'avoir. Je dois avoir un qui ressemble un peu, mais c'est pas le même. Et puis, même si c'est le même, c'est pas bien grave. Hein. Je le garde. Et vous voyez. Voilà. Donc, on est un peu dans des couleurs, vous direz, pas trop estivales. Mais moi, ça me dérange pas. Au contraire. Quand ça fait trop estival, après, ça fait pas forcément joli. Tandis que là, vous mettez une petite robe flashy et de suite, vous mettez un rouge à lèvres un peu plus soft et je trouve que c'est sympa. Après bon, j'aime bien mettre aussi des rouges à lèvres flash, mais je trouve mieux comme ça, on peut vraiment le mettre toute l'année. Puis bon, celui-là il reste vraiment plus clair que celui-là quand même, hein. Il passera vraiment bien aussi pour cet été. Voilà, donc voilà pour ça. Donc on a toujours un produit aussi de la marque Prescription Lab. Et là en l'occurrence c'est un 50 ml. C'est un masque peeling, acide de fruits et acide glycolique. Voilà.
donc pour éliminer les cellules mortes. Donc sans masser, appliquer en couches fines sur l'ensemble du visage sec et nettoyé. Le soir, une fois par semaine, laisser poser de 10 ou 5 minutes pour les peaux sensibles, puis rincer abondamment. Voilà, masque peeling, je sais plus ce que ça veut dire. Je crois que c'est un masque après qu'on peut retirer comme ça. Dites-moi dans les commentaires si jamais, parce que je ne me rappelle jamais. Donc là, il y a une petite opercule. J'aime beaucoup la Beautiful Box, c'est pareil. Je préfère quand il y a des opercules. Bon, là, je ne sens pas trop, mais si vous voulez, je vous ferai un crash test. Parce que je trouve que quand on les utilise, les odeurs sont vraiment plus présentes. C'est plus facile d'en parler. Mais si vous voulez, dites-moi-le. Et je vous ferai une vidéo crash test en fait en l'utilisant pour vous dire si on sent vraiment bien l'odeur aussi acide de fruits, quoi. Parce que ça peut être pas mal du tout. Voilà. Bon, ensuite, on a un petit échantillon. Ça, c'est moyen, hein. Mais bon, c'est pas grave, on va pas se plaindre vu tout ce qu'on a eu avant. Mais un petit échantillon Bioderma, en fait, c'est un sérum pour les peaux sensibles très déshydratées. Donc c'est vrai que dans le questionnaire, parce qu'il y a un questionnaire aussi, j'ai marqué que j'avais la peau sensible, donc ça correspond en tout cas à mon questionnaire. Donc ça c'est bien. S'utilise seul ou avant un soin de la gamme Hydra Bio. Ou un autre soin, entre parenthèses. Voilà. Bah écoutez, c'est un bon produit, hein, je pense, hein, c'est un bon produit. Je ne l'ai jamais vraiment utilisé parce que j'en ai eu 1500 des trucs comme ça. Et je vous avoue que bon, je les avais, limite, je les avais en échantillon. Mais il faudra que je me penche sur la question. Mais normalement, Bioderma, c'est quand même des bons produits. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus mon produit chouchou, quoi. Et moi, je préfère tout ce qui est masque, etc. Après, ces petits produits-là, bof. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Et là, on a un petit produit aussi de 20 ml. Donc The Ritual of Namasté, donc c'est de la marque Rituals. Et là c'est marrant parce que pour une fois on n'a pas un gel douche, parce que vous savez qu'ils sont réputés pour les gels douche, même les mousses de douche qui sont très très bien là-bas. Mais là pour une fois ça change, c'est une crème anti-âge en fait, en 20 ml, pas mal pour tester, en sachant que les prix ça va, je veux dire, c'est pas non plus du haut de gamme, c'est pas non plus du bas de gamme non plus, mais les prix quand même sont avantageux pour l'efficacité des produits. Donc il faut le savoir. Et bon ben ça j'ai jamais testé, donc il faudra que je le teste. Mais si c'est vraiment pas mal aussi, c'est une crème de jour, ben autant je l'achèterai en grand format. Voilà. Ils font des bons formats en plus. Donc pourquoi pas. En tout cas, le petit échantillon pour tester, c'est pas mal. Pour finir, on a un tote bag. Donc c'est en fait un sac marqué Prescription Lab. Je pense qu'ils ont fait un clin d'œil pour la journée de la femme, en fait, du mois de mars aussi, hein, parce que c'est pareil, c'est une box du mois de mars 2020. Et vraiment, il est grand, quoi. C'est vraiment bien pour faire les courses, par exemple, ou pour aller au sport. Pourquoi pas pour aller à la plage aussi, d'ailleurs. Mettre une serviette, une bouteille d'eau, enfin un peu tout, si vous voulez. Voilà. Je trouve ça pas mal du tout. Moi, je l'utiliserai notamment pour aller au sport. Il faudra que je reprenne le sport, mais en même temps. Tout est fermé, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, donc de Bioderma. Oula, je me suis taché le pantalon. Ouais, c'est génial. J'espère que ça part à l'eau parce que je me suis taché. Enfin bref, de toute façon, je me tâche tout le temps. Donc là, c'est le produit Bioderma que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, là, ils vous disent que sur le site santédiscount.com, donc ça si je dis pas de bêtises, c'est un site que j'ai déjà vu aussi, qui vend beaucoup de produits de parapharmacie. Donc c'est jusqu'au 30 avril 2020 et vous avez 20% de réduction avec le code HYDRA20 jusqu'au 30 avril, donc ça vous laisse le temps de tester. Et s'il vous plaît, vous pouvez l'avoir à moins 20%. Voilà. Pas mal du tout. Et enfin, petite surprise, donc en fait Prescription Lab a aussi un site internet. Bon, il n'est pas trop fourni, mais il commence à le faire de plus en plus grand en fait, hein. Voilà. Et surtout, ils sont en train de le changer de look aussi.
Donc, en gros, c'est marqué notre e-shop change de look. Pour fêter son nouvel outfit, on a une jolie surprise pour vous. Donc, une réduction de 25% cumulable avec vos avantages abonnés. Donc, il faut savoir qu'on a des avantages abonnés. Donc, ça, c'est vraiment bien. C'est comme la Birchbox, on a souvent des réductions quand on est abonné. Donc, soit près de 40% de réduction sur tout. Donc, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien du tout. Voilà. Donc, pour en profiter, il faut aller sur le site de prescriptionlab.com et c'est avec le code New Shop, comme nouveau shop, nouveau magasin. Jusque-là, l'anglais, ça va. Donc, voilà. Et concernant les frais de port, il faut savoir qu'ils sont offerts à partir de 35 euros d'achat sur le site. Voilà. Voilà. Après, c'est marqué découvrir notre sélection des partenaires présents dans la box, y compris des petits nouveaux présentés, des petits spoilers. Et pour continuer à vous en mettre plein les mirettes toute l'année, attendez-vous à découvrir des kits en collaboration. Donc ça serait vraiment génial. Avec des marques waouh, des packs de box à prix mini et des réductions pour vous remercier de votre fidélité. Voilà, donc ça je trouve ça vraiment très très bien. Voilà. Bon bah écoutez, cette box est vraiment très bien. La My Little Box est aussi vraiment très bien, notamment pour son produit Garancia. Donc écoutez, je suis vraiment contente et satisfaite. Donc concernant aussi la Birchbox, donc j'ai pas encore reçu celle d'avril, celle du mois de mars, elle est sur ma chaîne. Je sais pas si je vais rester abonnée, honnêtement. Je pense que je vais peut-être garder My Little Box et Prescription Lab avec le petit prescripteur que j'aime bien, notamment. Donc voilà, la Birchbox, c'est pas mal, mais honnêtement, c'est quand même des petits produits. Puis c'est sympa, mais c'est pas non plus waouh quoi. Et là, franchement, ce mois-ci, en tout cas, j'ai été vraiment satisfaite de mes deux premières box de My Little Box et Prescription Lab. Donc My Little Box à voir encore au fur et à mesure du temps, mais je pense que Prescription Lab, ça va être vraiment quelque chose que je vais garder. Birchbox, ben, du coup, comme je vous ai dit, je vais voir. Et la Beautiful Box, ça fait au moins 2 ans que je suis abonnée à la Beautiful Box. Elle est à 40 euros par mois. Donc elle est chère quand même. Elle passe beaucoup aux infos, à la télé, enfin aux infos. Elle est beaucoup médiatisée en fait. Et moi, des fois, je préfère faire travailler des box peut-être qui sont moins médiatisées mais qui sont mieux. Voilà. Donc après, je n'ai pas craché dans la soupe. Hein. La Beautiful Box, elle est quand même très très bien. Il y a beaucoup de full size aussi. Donc ça va être compliqué de choisir en fait. Mais rester abonné aux 4 box, ça va faire beaucoup. Donc je pense que je vais un peu me spoiler aussi. Voilà, en regardant des vidéos. Et si je vois qu'un mois ça me plaît pas, je me désabonnerai et puis je reprendrai plus tard. Enfin, je pense que je ferai ça dans un premier temps avant de trouver vraiment une ou deux box qui me conviennent vraiment. Voilà. Donc après je dis ça, autant me connaissant, je vais voir une autre box qui me plaît, je vais m'abonner, je vais vous faire une vidéo. Enfin voilà. J'aime bien les box beauté, vous l'aurez compris. Mais il arrive un moment où on n'a pas non plus le budget extensible. Donc il faut aussi se faire une raison et utiliser un peu tous les produits parce que j'ai beaucoup de produits et j'ai pas trop de rotation non plus. Donc après ça devient un peu de la surconsommation et ça pollue aussi un petit peu les espaces, surtout que j'ai un petit espace. Donc voilà, je vais réfléchir à tout ça. Mais en tout cas, ces deux box sont vraiment bien et surtout il faut que je commence à utiliser tous les produits petit à petit parce que c'est vrai que j'ai tendance à stocker et à pas beaucoup utiliser de produits, donc c'est un peu dommage. Voilà, c'est aussi à moi de les utiliser le plus possible pour les rentabiliser. Voilà, en tout cas, je vous dis à tous un bon week-end et puis à bientôt.